nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment l'on peut créer un portail d'ouverture à l'entrée du tunnel. On commence par créer la porte dans 3ds Max par exemple. Alors ici la porte est composée de deux éléments, un élément gauche, left, ici c'est très important, par la suite pour tout ce qui concerne le script. Ensuite ici on a une porte right, donc droite. Alors, ce qui est important aussi, c'est les points de pivot. Alors, regardez, si je fais ajuster point de pivot, le pivot de cette porte se trouve de ce côté, vu qu'on va faire une rotation par rapport à cet axe ici. Le pivot de cette porte se trouve, lui, par contre, ici. Je ne reviens pas en détail sur les textures appliquées sur la porte, simplement c'est un multiple sous-objet avec deux numéros d'identification. Alors nous avons déjà vu ça dans d'autres vidéos que j'ai faites avant. Ensuite, j'exporte cette porte au format 3DS. Je retourne dans l'éditeur, alors je cherche la porte qui est ici. Alors j'utilise Show Overview, la porte, Select. Donc si je déplace ma porte, voilà la porte comment elle est construite. Ensuite ici il y a les propriétés de la porte, vous voyez j'ai dû changer l'échelle de la porte. Ensuite dans ce qui concerne la partie script, eh bien ici donc on a le modèle, on a le preview. Et ensuite, dans la partie script, eh bien, j'ai un script qui s'appelle Door Script, que j'associe donc à cette porte. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir que l'on crée par le script un trigger qui va nous permettre donc de déclencher la porte. On aura un trigger qui sera légèrement avant la porte et un trigger qui sera un peu après la porte. Alors nous allons voir ça dans le scripting. Je vais reprendre donc un script qui est fourni donc avec le programme qui s'appelle DoorScript et je vais le détailler. Au début du programme, on trouve cette fameuse classe publique DoorScript qui est une extension de script et ici, on va faire donc appel à l'interface TrackTriggerListener qui est cette interface ici qui fait appel justement à la notion de trigger où là on va utiliser donc un trigger au moment où le train va entrer dans le trigger et un moment où le train va sortir du trigger. Ensuite on a donc ces variables, les trois variables ici avec une variable objet élément left door, donc porte gauche et porte droite. Ensuite ici on définit des états statiques, donc un état pause qui prend la valeur de 0, un état open, donc la porte est ouverte qui prend l'état 1, un état dans le cas où le véhicule reviendrait en arrière, on aurait aussi la possibilité de réouvrir la porte, alors cet état prend la valeur de 2. Et là, on a un troisième état ici, enfin plutôt exactement un quatrième état, qui est un état, donc la porte est fermée, donc la valeur sera de 3. Ces quatre états qui sont ici sont nécessaires pour la rotation de la porte. Alors, ou on n'a pas de rotation, ou bien on a une rotation dans un sens, ou bien dans l'autre sens, ou bien la rotation c'est la fermeture de la porte. Alors on retrouve ces états qui sont utilisés à cet endroit lorsqu'il faudra donc faire des rotations des portes. Avec ces deux variables ici, une première variable va définir l'angle d'ouverture de la porte, donc la rotation de la porte, donc qui se fait ici grâce à cette formule ici sur 90 degrés. Et là, on a la vitesse d'ouverture ou de fermeture de la porte. Effectuons une petite vérification. Alors, on prend le nombre pi qu'on divise par 2. Donc, pi
divisé par 2 égale 1,57. Alors, 1,57, c'est une valeur en radians dans ce logiciel. On va convertir cette valeur en radians en degrés. Alors, je mets 1,57 radians. Eh bien, vous voyez, ça correspond pratiquement à 90 degrés. Ici, on définit l'axe de rotation de la porte. Alors, c'est un nouvel vecteur 3, donc x, y et z. Et on met sur la valeur de y 1, vu qu'on veut une rotation par rapport à l'axe des y, donc dans le simulateur non limite. Donc ici on a deux variables, une entière qu'on appelle état, state, et puis une autre variable floating point, rotation, rot. Ici on définit donc des tracks trigger. Donc ici on définit un trigger avant, donc avant la porte, et un trigger après la porte. Ensuite ici on aura un son, car au moment où on va arriver au niveau de la porte, on va déclencher un son. Le son est d'ailleurs retrouvé ici. Ce sera par exemple ici, j'ai mis un kalimba.ogg. Ça, c'est le format donc des sons dans ce logiciel. Dans la méthode boolOnInit, on commence par vérifier que l'on a bien un objet dans la scène qui contient donc ce script. Alors, on utilise ici un sim get scene object for entity id. Donc on vérifie le numéro d'identification de l'entité. On retrouve donc dans la classe simulateur cette fonction get scene object for entity. Donc si ce script ne fait pas partie d'un objet de la scène, eh bien on retourne un message d'erreur. Ensuite, on fait la même chose pour chercher le nom des éléments, donc par leur nom qui sont sur le modèle 3DS. Alors, souvenez-vous, on a left pour la partie gauche de la porte et on a right pour la partie droite de la porte. Et ici, on a un test si ces éléments sont bien donc compris dans l'objet 3DS. Si ce n'est pas le cas, eh bien on retourne ces deux messages d'erreur ici pour la porte droite et la porte gauche. On fait ici la même chose pour le son. Alors on charge le son, et si ce son donc n'est pas trouvé, eh bien on retourne aussi un message d'erreur. Les getElementForName se trouvent donc dans la classe objet, scèneObject, getElementForName. Alors pour ce qui concerne le chargement du son, eh bien on trouve ça dans la classe staticSound, loadFromFile. Maintenant, on doit savoir où se trouve la porte, donc dans la scène. Alors, on va rechercher la position x, y, z de la porte. Pour cela, on commence par créer un vecteur 3 que l'on appelle pose, qui sera donc un vecteur 3 avec x, y, z à 0. Ensuite, on fait un get translation avec position pour retrouver donc la position de la porte. Alors ici, on utilise dans la classe scèneObject get translation à cet endroit. On en profite pour utiliser la position de la porte pour dire donc dans la partie son à quel endroit le son va être émis. Donc il sera émis à l'endroit de la porte. C'est pour cette raison que l'on va définir le mode d'émission du son, et là ce sera un environnement mode local, c'est-à-dire près de la porte. Si on avait ici global, eh bien ce serait dans toute la scène. Et ici on a la possibilité donc de donner une atténuation, un effet d'atténuation en fonction de la distance.
On peut retrouver ces environnements différents, donc global et local. Et ici, on a donc la possibilité d'affecter donc le paramètre de force du son par rapport à la distance, en utilisant cette formule ici. Une fois qu'on a défini une distance maximum, eh bien ici, on fait une recherche par rapport donc au rail, donc par rapport à la position de la porte et par rapport à la distance de la porte. Alors, si la porte se trouve sur le rail, ben, il n'y a pas de problème. Par contre, si la porte se trouve à l'extérieur du rail et à une distance plus grande que 10 mètres, eh bien, on ne pourra pas continuer le script et on ne pourra pas non plus créer les fameux triggers que l'on a besoin pour déclencher l'ouverture de la porte. Alors ici, on retrouve cette fonction dans la partie classe simulateur. Et ici, vous voyez, on a cette fonction qui nous permet de savoir où se trouve donc le rail par rapport à la porte. Si par exemple je prends la porte et que je la déplace assez loin donc du rail et que j'effectue un test, eh bien vous constatez qu'on a ce message d'erreur. Donc la porte est plus loin qu'une distance de 10 mètres. Donc elle n'est pas détectée. Alors si la porte est bien positionnée par rapport au track, donc dans le cas où la porte est sur le rail, il n'y aura pas de problème, eh bien on passe dans cette partie de programmation ici. Et ici on commence par savoir est-ce qu'on a bien une montagne russe donc, qui est détectée dans la scène. Alors on utilise le track position getCoaster. On retrouve ceci dans la classe Coaster. Donc getCoaster, et on a le style et le numéro d'identification du coaster qui lui se retrouve dans Home, Référence, File Format. Et ici vous voyez, vous avez les numéros d'identification des différents styles de montagne russe. Alors maintenant que l'on a détecté la position du track, eh bien, on va créer deux triggers, comme on a dit précédemment, un à moins 5 mètres et un à plus 5 mètres. Alors, ils ont les noms donc avant et après. On retrouve donc cette fonction dans la classe trigger. Ici, créer un trigger avec un offset. Ensuite, on ajoute donc ces deux triggers que l'on vient de créer précédemment dans une liste, donc track trigger listener. Alors, on a la classe trigger listener à cet endroit. Ces deux méthodes donc seront appelées lorsque le train entre dans un trigger, ou soit le train sort du trigger. Ensuite, on initialise des variables, donc l'état, on met l'état de pause, et puis la rotation, et bien pour l'instant, les portes n'ont aucune rotation, donc 0 degré. Ensuite, vous voyez ici, donc, les méthodes qui sont appelées, ici. Alors, dans le cas où le trigger, before trigger, donc avant, et que la vitesse du train est plus grande que 0, eh bien on aura un état opening, c'est-à-dire un état ouvert. Et là on va faire émettre un son. Le son au format OGG que l'on a défini préalablement. En somme, ici on définit le sens du train. Soit le train va en avant. Alors on va ouvrir la porte, et si le train va ici en arrière, eh bien on va aussi avoir une ouverture de porte, mais lorsque le train sera dirigé dans l'autre sens.
Et maintenant, grâce avec ce switch qui se trouve ici, donc dans la partie où on fait donc un calcul du script à la vitesse du framerate du jeu, eh bien, on va donc définir la rotation de la porte suivant donc l'état qui a été défini au préalable, donc à cet endroit qu'on vient de voir ici. Eh bien, ici, on aura donc une rotation de la porte. La porte, donc, l'élément gauche et l'élément droit de la porte grâce à cette rotation sur l'axe et avec l'angle de rotation ici. Donc, un angle de rotation positif ici et un angle de rotation négatif ici. Donc, ici, voilà tout le script qui a été créé. Va vous permettre de le reprendre si jamais vous ne l'avez pas. Pour pouvoir reprendre ici dans la scène un projecteur qui se trouve en haut d'un mât, donc le script à l'écran. Eh bien, ce projecteur va donc faire une à une certaine distance donc, de ce projecteur. Donc ici, je vais faire des calculs de projecteur ou un script que j'ai appelé Trigger Line, qui est en somme une modification du tour script que l'on vient de voir précédemment. Script. Donc je l'ai appelé classe TriggerLight. Donc ici il n'y a pas de modification a priori, simplement il y aura une modification au moment où on va rechercher l'élément qui cette fois-ci sera un objet light qui porte le nom de lampe. Ensuite on a ici pratiquement aucune modification, la distance sera de 20 mètres puisque le projecteur est en dehors du rail, et là tout est identique. La seule chose qui est modifiée, c'est que quand on est sur l'état state opening, donc l'état ouvert, eh bien ici on a la rotation, soit une rotation du projecteur ou bien alors soit un swing du projecteur. Tout le reste n'a pas été modifié. Bien sûr qu'on pourrait enlever des lignes de code, mais bon, c'est seulement pour le principe du trigger light. Vous pouvez retrouver aussi le script dans cette partie, car si vous allez sur Steam, Steam Application Common No Limit 2, scène objet, vous avez ici le track trigger test. C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors voilà l'image qu'on utilise ici pour la porte. Ensuite, vous avez donc le script qui se trouve ici, NLVM, Edit Notepad. Donc voilà le script avec le langage Java. Maintenant, vous constatez que la porte a été créée avec un autre logiciel, c'est Lightwave, qui a comme extension LWO. Alors, si l'on utilise par exemple Blender, on peut donc lire les fichiers LWO en rajoutant un add-on.
Donc voilà ici le add-on que l'on peut utiliser. Si on va ici sur Documentation, qu'on clique sur Archives, on a donc ici l'explication du add-on qui a ce nom. Donc on voit bien qu'ici, sous File, Import, vous voyez qu'on a LightWeb Objet LWO. Le point de pivot de la porte ici est ici, à cet endroit, et de ce côté-là, à cet endroit. Donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo.